Ah, on a vu la vidéo de la prof qui se fait menacer dans la classe avec un flingue. Oh là là, putain. On s'aperçoit qu'on se prenait la tête à apprendre nos cours, alors qu'on se rend compte que finalement. Ah bah aujourd'hui, il y a des solutions beaucoup plus simples, si on veut avoir de bonnes notes, par exemple. Si tu veux avoir une bonne note, mets un flingue sur la tempe du prof. Pour ne pas avoir d'heure de colle, t'as juste à brûler sa bagnole. Et pour ne pas te faire virer, sors un canif, c'est dissuasif. Tu seras le premier qui réussit avec un QI d'abruti. Tout va bien, pour toi tout va bien. Alors les profs, ils le vivent mal. Bah non, non, non. Oui, non, 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 ils le vivent bien, ils disent rien. Bah oui, sinon ça ternirait l'image de l'établissement. Comment ça va? Ça va. Les élèves? Ça va. Qui vous insultent? Ça va. Qui vous attendent? Ça va. À la sortie? Ça va. Pour vous frapper? Ça va, je vous dis que ça va. Heureusement, le gouvernement est là, ils ont des solutions. Ouais, ils sont rassurants. On va gérer, ça fait des mois qu'on y bosse au bureau, à se coucher tard et à se lever tôt. On a beaucoup, beaucoup cherché et on a trouvé. On va virer 1800 profs des collèges, des lycées. Comme ça, y en aura moins à agresser. Ça, c'est vraiment du plan d'action. On a bien bossé. Abonnez-vous. Toi, t'es abonné, toi? Non. Ah, bah, faut que tu t'abonnes. Oui, si, si, si.